Je veux juste être libre. Hey, on est égaux à ce qui paraît. J'ai rien décodé de leur signe et j'ai le cœur sans cran d'arrêt. J'ai pas entendu leur sirène et la télé marche à plein régime dans la fabrique de la haine. Mais où nous mènerons les TSE sur TTMP? On invite dans une forêt vierge des cracheurs de feu. T'en font l'apologie, puis on se donne un air ahuri quand on voit arriver l'incendie. Y'a jamais autant de choses à dire de cette société. Pourtant c'est le moment que les rappeurs ont choisi pour la boucler, ouais, coincé dans le seuil. Aujourd'hui c'est plutôt qui prétend faire du rap sans apprendre à fermer sa gueule. Vas-y bouffer, ferme tes dents. Frère, ils se couchent tous devant la puissance de l'argent comme des junkies en manque. Si Satan avait un visage, ça serait celui d'un billet de banque. On est entré dans une ère dystopique, que des hystériques où règne en roi les amnésiques, les Eric Nolo, les BHL qui contre un petit billet te diront tout l'inverse la semaine prochaine. Cette époque de merde où tout s'achète, cette époque de merde qui ferait flipper au roi et coupe nos cervelles en lamelles. Et pourtant on s'était promis de plus faire avoir depuis le flacon de Powell. Parallèle hallucinant te fait une dissert de philosophie pour te rendre acceptable les meurtres d'enfants. Une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Ils ont la langue venimeuse, on bouffe plus le mensonge, alors ils veulent nous la faire passer par intraveineuse. Plus rien n'a de sens, plus rien n'a de teneur. Ils ont inversé toutes les valeurs dans nos pensées. Ils craquent les fonds de tiroir, l'impression d'être en train de vivre dans un épisode de Black Mirror. L'absurde comme automatisme, comme voir d'anciens SS marcher contre l'antisémitisme.